m'a trop tapé aujourd'hui. C'est chaud, partagé. C'est chaud. Partagé d'un beau bâton, ma tête. Ouais, yo. Je suis décontenancée. Partagez pas. Il n'y a pas les cœurs qui montent. Oh, pas l'eau. Partagez. Mon pauvre visage. On a dégonflé ma face aujourd'hui. Partagez. Ne partagez pas. Il n'y a pas les cœurs qui montent. Ils ne vont pas un cœur qui monte. Ils ne vont pas un cœur qui monte. Pierrette m'a mis Congo ça. Oh mon visage, oh mon joli visage. Maintenant on voit seulement mon beau teint des bras. Ma face. Quand tes ex voient ça, ils sont contents que ça occupe déjà sur ma vie, son corps. Mais bébé, partagez, non. Partagez, vous versez les cœurs. Il n'y a pas un cœur qui monte. Tu bien, tu chantes, merde. Ouais! Partagez d'abord et je vous explique. Partagez, je vous explique. Et vraiment pas les gens connectés. Et vous vraiment pas encore 500 depuis là. Eh mais c'est curieuse. Donc depuis on ne vend pas encore 500. Mes ex. Partager, c'est chaud. Mais pardon. Oh. Maman le. Mais soyeuse, le compte est prépayé ici là, non, c'est la sorcellerie. Avant, tu sais, quand je faisais le direct, j'avais mis 10 000, non. Voilà ça qui est encore à finir que ça signale. Partagez, on atteint 400, on parle, non. Wow! On n'est pas encore 400 depuis là, vous ne partagez pas. Et je ne vois même pas, je ne vois pas les cœurs qui montent. Non, mais sauf que, il y a souvent aussi, vous me souillez. Il y a souvent aussi, vous me souillez. Je ne peux même pas lancer un direct comme ça avec un ex derrière moi. On ne va pas voir les cœurs, on ne va pas voir les patates, vous aimez trop me souiller. Vous aimez trop me souiller. Oh.
T'as pas honte de ne pas payer tes factures. Il y a honte de quoi? Il dit seulement que les compteurs prépayés, si là, non. C'est la sorcellerie seulement. C'est la sorcellerie. Tu mets 10 000 après 2 jours. Maman, mais sois curieuse. Il y a certaines personnes qui, c'est quand tu lances ton direct qui commence, elles lancent les bêtes appels. Pardon, excusez-moi, il y a une bête numéro là qui fait que m'appeler. Il faut mettre le mien sur ton visage. Ça fait trop mal. Si mon visage pouvait briller comme mes doigts, pas de quinto. Mystique était le souillage. Et non, le massacre. Il faut charger avec les petites sommes, genre 1 000 francs. Quand je mets, attendez, je bloque le numéro aussi. Attendez, je vais bloquer un numéro là qui me dérange. Je vous reviens, attendez, donnez-moi une. Voilà. Excusez-moi, il y a un numéro là qui me dérange. Je vais bloquer. Ouais. Attendez, je vous dis. La connexion des enfants va venir. À 500, on lance. Mes amours, versez les cœurs maintenant. On commence notre socon. Versez les cœurs. Versez les cœurs alors. Versez les cœurs. Ok, on commence notre socon sans plus tarder. On commence notre socon. Dessinez d'abord mon visage comme ça. Versez d'abord les cœurs. Ouais. Versez les cœurs. Wow. L'urgence est finie, Bert. Ouais, l'urgence est finie, Bert. Mais ce qui me plaît, que mon corps est toujours propre avec mes mains. Ouais. Mon joli visage. C'est mon visage, Diane. Mais voilà. Mes amours, vous vous souvenez? Maman, il dit que... Oh, on m'a menacé ici depuis le matin jusqu'à... On m'a déjà menacé ici depuis le matin jusqu'à... Mais sois curieuse. Vraiment, Facebook, c'est risqué. Facebook, c'est risqué. Oh, oh, oh. Que vous parlez là, vous pensez que c'est la blague. Il dit que Facebook, c'est là, c'est risqué. Vous êtes prêtes? Versez les cœurs, mes amis. Voilà, j'aime quand les cœurs montent comme ça. J'adore quand les cœurs montent comme ça. J'adore, j'adore. Maman, vous vous souvenez le post que j'ai fait le matin là, non? Quelqu'un dit qu'on dirait un bonbon. Ouais, laissez d'abord effet de son conseil là, non? Versez les cœurs d'abord. Mais son conseil, vous vous souvenez. Vous vous souvenez l'application, où c'est que l'application, vous vous souvenez la photo là que j'ai. Attends, elle dit quoi? Laissez-moi parler, non? Vous m'étouffez. On dirait la composte de maman Hélène de Jean-Michel Kanka. Tu as dit le matin que la nuit, ça fait quoi? Ouais, écoutez d'abord le socon, c'est là, non, mais socoyeuse. Ouais, pompe, il dit que vous avez 600, pompez-moi les cœurs bien, même. Quand il y a des socons comme ça, qu'on fait, non, mais bébé, il faut que les cœurs bombent. Il faut seulement que ça monte comme le torrent. Je vous dis ça tous les jours, mais vous ne comprenez pas. Donc, pompez les cœurs, on commence notre socon. Vous vous souvenez le. Elle me déconcentre. Mais vous vous souvenez de la photo là que j'ai postée le matin, non, mes bébés? La photo des deux filles là que j'ai postée le matin, on a dit qu'une est décédée là. Vous vous souvenez, non? Ha! Maman, les menaces de ça! Les menaces de ça! Il dit que la photo des deux filles là que j'ai postée le matin, on a dit qu'une est décédée là. Les menaces de ça, mes socoyeuses. On m'a menacé. Menacé. Menacé depuis le matin comme une menace. Vous comprenez leur patience. Oh, Maya menacé. Oh, wow, ma chère Trigo, wow, tu es une sorcière. Maya menacé, c'est parce que non, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais c'est curieux, parce que
Quand on parle aux enfants, ils disent qu'ils maîtrisent, mes chéris. Quand on parle aux enfants, ils disent qu'ils maîtrisent. Oh, ils ne maîtrisaient rien. Vous comprenez un peu, non? On a dit que quand ça se retrouve sur la toile, on parle. Quand ça se retrouve sur la toile, on doit parler. Vous comprenez, non? Nous avons posté les deux filles le matin quand on a dit qu'une est décédée, non? Ah bah, on m'a trop menacé. Et on m'a donné l'histoire. On m'a donné l'histoire. Comment ça a commencé pour que l'enfant là décède, comme vous avez vu sur les photos là. Donc, on m'a raconté ce qui s'est passé. Vous êtes prêtes pour que je vois. La personne qui commente match le blog, ceux qui sont nouveaux là, que vous faites des pif pif là, placez-vous bien. Surtout que ce soir, je ne fais même pas bien. Ma tête fait mal. Ok, patience. Les postes aussi, le truc là. Ah, ben, j'ai vu ça partout sur les pages. Moi aussi, après les postes, maintenant, on me menace seulement. On me menace. J'ai dit, ok, je m'en fous. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Maintenant, les gens, maintenant, il y a quelqu'un maintenant qui est venu me donner le socorro de comment l'enfant l'a fait pour décéder. Comment il est décédé et tout. Vous comprenez un peu? Parce que quand on parle aux enfants, là, ils disent toujours qu'ils maîtrisent vraiment. Oh, ils ne maîtrisaient rien. Les enfants là qui partent en aventure, ils partent en Europe ou ils partent, oui, je ne sais pas. Ils partent dehors, ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils partent faire. Hein? D'autres abandonnent l'école que les parents ont payé ici au pays. Ils courent, ils disent que oh, ils partent se chercher. Arrêtez de voyager n'importe comment. Parce que vraiment, ces enfants-là, si on vous dit ce qu'ils font dehors, pauvre maman que nous sommes, ça fait trop mal au cœur. Vous comprenez un peu, non? On m'a un peu raconté l'histoire de la petite là. On dit que la petite là, en fait, elle est arrivée là-bas en Tunisie. Elle était normale, hein? Elle n'était pas encore tchèque. Vous comprenez, non? Elle n'était pas tchèque. Elle est arrivée là-bas en Tunisie, elle n'était pas tchèque. Hein? La paresse seulement. Vous comprenez un peu ce qu'ils disent, non? Donc, ils partent d'abord comme ça, après maintenant, la paresse de sortir, aller travailler quelque chose, la paresse. C'est pour ça qu'ils se trouvent en train de coucher avec les Arabes, ils se retrouvent en train de faire des choses pas normales, ils se trouvent en train de faire des choses pas catholiques. On dit que la fille-là, que j'ai posté sa photo, comme elle est décédée, elle était en blanc, là. On dit qu'elle est arrivée là-bas, elle n'était pas comme elle était là, elle était bien normale. Il y a une réunion qu'on les amène souvent là-bas quand ils arrivent là-bas en Tunisie. On l'a amené dans la réunion là aussi. Quand on t'amène là-bas comme ça, là, on te branche avec les blancs. Les blancs qui sont sur place. Les blancs qui sont à l'étranger. On dit qu'on a branché sa part de blanc jusqu'à sa part de blanc. On dit que sa part était aux États-Unis ou on dit qu'il était où. Après maintenant, elle vivait encore avec un autre. On dit qu'elle aimait tellement. Elle aimait tellement faire les bêtises, faire la niasse que souvent comme ça, pas même niasse. On voit même comment l'eau coule derrière. Sa culotte et tout. Vous comprenez bien ce que j'ai dit, non? Et on dit que pendant qu'elle était encore normale, elle avait ses amis là-bas, non? Elle avait ses amis là avec qui elle marchait. Mais quand elle a commencé la maladie, vous n'en voyez pas les cœurs. Mais quand elle a commencé la maladie là, envoyez les cœurs, non? Quand vous n'en voyez pas les cœurs, le direct, ça va faire les pauses. Envoyez les cœurs, sinon le direct commence à faire les pauses et tout. Oh, vous m'envoyez les demi-cœurs, les un cœur qui est fait quoi avec? Je ne parlais pas des femmes, Vanessa. J'ai dit les deux là le matin, non. Parce que eux-mêmes, quand tu vois, ils portent les mini-culottes avec les petits sacs à main là. Ça veut dire qu'ils se sont autoproclamés. Ça veut dire qu'ils ont déclaré qu'ils sont les femmes, non? Hein? Ça veut dire qu'ils sont devenus les femmes, non? Alors, maintenant alors. L'enfant là que vous avez vu, j'ai posté au matin, on dit qu'elle a commencé la maladie comme ça, là. Elle était malade jusqu'à, elle était à l'hôpital. Elle était à l'hôpital pendant qu'elle était à l'hôpital, tous ses amis l'ont abandonnée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, comme elle était encore en santé, elle marchait, elle faisait des photos, elle faisait des TikTok. On dit que dès que sa maladie l'a commencé, ses amis l'ont tout abandonné là-bas à l'hôpital. Donc, tous ses amis l'ont abandonné. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ses amis l'ont fait comment? Ses amis l'ont tous abandonné là-bas à l'hôpital. Et on dit que le gars, l'enfant là meurt comme ça même. Il délirait, donc il parlait, il faisait comme un fou. Elle pense que là, elle faisait comme une folle. Non, en fait, je vais dire il pour que vous compreniez. Bon,
On dit qu'avant de mourir comme ça, là, non. Il parlait maintenant seulement comme un fou. Il parlait comme un fou. Il parlait comme un fou. On dit qu'à la dernière minute, même, il est devenu aveugle. Il ne voyait plus. Donc, l'enfant, le truc meurt comme ça. Il n'est pas. Il devient. Donc, il délire. Et en plus, il est mort. Il est devenu aveugle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est devenu aveugle. Maintenant, on sait que c'est quel genre de mort. Vous voyez que ce sont les morts mystiques, non, mes chéris? Hein? Voilà. Ça, c'est le sida. On te suit plus. C'est bon. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Vous m'écoutez maintenant. C'est bon. Attendez. Il n'y a plus le volume. Attendez. C'est bon. On ne t'écoute plus. C'est bon maintenant. Ok. Alors, on dit maintenant que quand l'enfant a été malade, ses amis l'ont tous abandonné à l'hôpital. Au début, maintenant, ils venaient un peu le voir. Mais quand la maladie s'est aggravée là, on dit quand la maladie s'est aggravée, les amis de l'enfant là l'ont abandonné à l'hôpital. Ses amis l'ont abandonné à l'hôpital. On dit comme ça, ces derniers jours, comme ça, le gars est devenu aveugle, il ne voyait plus. Il parlait seulement comme un fou maintenant. Vous comprenez, non? Il parlait maintenant seulement comme un fou. Ses amis l'avaient abandonné à l'hôpital. Vous comprenez bien ce que je dis? Parce que quand on parle, vous venez menacer les gens inbox. Je vous ai dit que regardez bien la tête ici, là. Et vous avez dit qu'on ne me menace pas. Je vous ai dit qu'on ne menace pas, mamie. Quand on voit les cœurs. Tout ça, ce sont les... Anyway, à mon mariage, personne ne mangera deux fois. Vous comprenez ce que j'ai encore dit, non? Maintenant, oh là là, qui est qui a encore pas de son comme ça? Ok. Donc, l'enfant la meurt comme ça à l'hôpital, il n'y a plus aucun de ses amis. Il n'y a plus personne près de lui. Même la personne avec qui il vivait a fui, l'a laissé. Même son gars, quand on avait trouvé à l'étranger, là, l'a abandonné. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Parce que le matin que j'ai posté ici, là, hein, ils sont venus un peu se verser sur moi en commentaire pour dire comment je suis méchante, pour dire comment... Non, mais bébé, c'est le filtre, ce n'est pas mon visage. C'est le filtre que j'ai mis. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, maintenant, ses amis l'ont tous abandonné à l'hôpital. L'enfant là était comme ça à l'hôpital presque seul. Aucune assistance. Vous comprenez un peu, non? Il n'avait plus d'assistance. À la dernière minute, ses amis l'ont tous abandonné. Vous comprenez? C'est pas mystique, mamie Soko. Le cancer peut causer tout ça. On l'a liquidé. Moi, parce que le genre de mort là m'inquiète. Comment quelqu'un, avant de mourir, on dit qu'il parlait, il faisait comme un fou. On dit maintenant qu'il est devenu aveugle. Vous ne voyez pas que c'est fort? Vous ne voyez pas que c'est fort, ça? Hein? Vous ne voyez pas que c'est trop fort? Que quelqu'un, avant de mourir comme ça, là, il devient aveugle? Vous ne comprenez pas le message qui est derrière ça?
Eh bien, chère maman, vous qui êtes connectée là, vous ne voyez pas que ça, c'est un message fort. Honnêtement, moi, je trouve le message fort. Hein? Je vous ai dit qu'on ne peut pas défier Dieu. Je vous ai dit, vous dites ici tous les jours que Dieu me pardonne, que les autres personnes là qui sont comme ça me pardonnent. Mais il dit qu'il y a les autres garçons là qui sont nés efféminés. Il y a les autres qui ils forcent seulement parce que non. Ils cherchent la vie qui est moins chère. D'autres sont naturellement nés comme ça là. Les autres maintenant là, ils font ça seulement pour la facilité. Vous comprenez un peu, non? Chez d'autres maintenant, d'autres qui le font, c'est la facilité. Verser les cœurs. Non, maman, on parle de tout. Il n'y a pas un sujet qu'on ne parle pas sur Facebook. On parle de tout. Vous comprenez? Ma change, ils vont capturer. Ne peux pas changer. Laisse-moi faire mon sort. Qu'est-ce que j'ai peur des captures sur Facebook? Ah, c'est quand sur l'heure. Il faut qu'ils capturent. Quand ils capturent sur mes jolis doigts, ceux qui n'ont pas de kento comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc maintenant, oh, vous pouvez me distraire, non? Vous essayez de faire le sort aussi là, non? Voilà, Clara. Parce que moi-même, quand j'ai vu comme ça, comme je suis africaine là, je n'étais pas là depuis le. Ouais! Nadine, laisse-moi. Écoutez d'abord ce que je suis en train de dire. Regardez, non, moi aussi, comme j'ai vu, je ne comprends pas, moi, je ne suis pas docteur. Mais c'est seulement que vous n'avez pas les cœurs. Donc, vous avez plus de 500, les cœurs ne montent pas. Donc, vous exagérez, non, mon frère. Donc, que vous soyez, vous n'avez pas les cœurs. Vous restez avec la. Même vous, là, vous êtes paresseuse, les socorriers, c'est cela. Même vous, vous êtes paresseuse. Hein? Donc, vous êtes couché comme ça, là, la paresse peut vous tuer. Après, c'est que quoi, hein? Ouais. Ok. La personne qui commente mal, non, mes bébés, on le bannit seulement. On le bannit seulement. Donc, moi, quand j'ai vu, quand j'ai entendu ça, non, j'ai eu la chair de poule. J'ai d'abord mal aux yeux depuis quelques jours là. Donc on m'a expliqué ce qui s'est passé là-bas. Comme ça, on dit que l'enfant est malade depuis. Et ses amis l'ont abandonné sur le lit de l'hôpital. Le gars est resté. On dit qu'il était maigre comme ça quand il mourait. Il était devenu maigre comme ça là. Le gars que tu pouvais le soulever au lit comme ça là, tu le mets quelque part. Il avait tellement maigri. Mais quand on parle aux enfants là, ils disent qu'ils maîtrisent. Quand vous parlez ce que vous maîtrisez, on vous a dit qu'on ne vous pouvez pas défier Dieu. Vous ne pouvez pas, l'homme ne peut pas défier Dieu. Vous voyez, il sort comme s'il m'insulte. Et tout cela, il m'insulte. Voilà. On bloque seulement. Vous voyez, non, tous ceux qui m'insultent, c'est les PD là. Vous comprenez ce qu'elle dit. Mais sachez que vous ne pouvez pas défier Dieu. On ne peut pas défier Dieu. Dieu a dit ceci là. Il a dit qu'un homme et un homme ne vont pas niasse. Une femme et une femme ne vont pas niasse. Vous comprenez dans mes socorreuses. Maintenant, vous voulez défier Dieu. Quand Dieu dit ne faites pas comme ça, vous partez. Vous voyez les retombées, non? Vous voyez les retombées, vous voyez la facilité. Et après, on va voir si on va rester tranquille. On ne va pas parler pour sensibiliser nos petits-enfants là, comme ça, qui sont en train de grandir. Hein? On doit voir ça et fermer la bouche, accepter que c'est normal. Non, maman, pour moi qui a lu la Bible, moi j'ai reçu un enseignement. Hein. Moi, je vous ai tout dit qu'à l'église, moi je suis servante. Donc il y a des choses que moi je ne cautionne pas et je ne cautionnerai jamais. On dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit, non? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Donc, avant d'aller faire vos pratiques là, sachez que Dieu n'aime pas ça. Donc, je ne sais pas. Dieu a brûlé la ville de Sodome et Gomorrhe dans la Bible. Dieu a brûlé la ville de Sodome et Gomorrhe dans la Bible à cause de ses pratiques. Parce que dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait ces pratiques-là.
Vous comprenez un peu, non? Dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, il y avait ces pratiques-là. C'est donc pourquoi Dieu est allé brûler la ville-là. Donc, ce n'est pas un truc qui est normal. Ce n'est pas un truc qui est normal. On ne doit pas soutenir ça. Ceux qui sont en Mbeng, qui ont la mentalité de Mbeng, ils vont soutenir parce qu'ils sont là-bas, en Mbeng, là-bas, ils ont déjà vu tout genre, quand genre. Nous, ici, on garde encore nos mœurs ici en Afrique. Nous sommes encore ici au Cameroun. Gars, on ne connaît pas encore ça ici qu'on va accepter. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas qu'on juge ou que gnor. Donc, nous, on n'a pas encore accepté ça ici en Afrique. Ça nous fait toujours bizarre. Les gens se sont bêtes. Vous ne pouvez pas que sur le filtre. T'es gardé sur le gens sans, s'il te plaît. Hein, mes amours. Je sais que là-bas, celles qui sont en Europe là-bas, pour elles, c'est normal. Elles ne, ça les effraie pas. Elles trouvent ça normal, maman. Nous, ici au Cameroun, ça nous effraie encore. On a encore peur. On a encore la crainte de Dieu. Hein, c'est une application. On a encore la crainte. Donc, on voit ces choses-là et soutenir. Nous ne sommes pas encore prêtes. Nous ne sommes pas encore prêtes. Sachez que en faisant ça, vous allez toujours mourir tôt. Vous allez toujours mourir jeune. Mais à vous garder vos anus. Vous partez travailler, vous battez mon ventre de l'eau glacée. C'est quelle facilité ça. Après on parle, on vient menacer les gens. Après on parle, vous venez écrire les bordels, tout ça là. Quand il est mort comme ça, ça vous plaît? Donc ça ne vous dit rien la façon dont il est parti là. Est-ce que vous le verrez encore un jour? Vous le verrez, vous le verrez plus jamais. Hein? Vous le verrez plus jamais. Chacun prépare son chemin. Hein? Chacun cherche son salut. On dit le trouble est collectif, mais l'échec est individuel. On dit d'où passeras-tu ton éternité? D'où passeras-tu ton éternité? Science. Vous comprenez bien ce que j'ai en train de dire, non? Parce qu'on vit là, on vit au jour le jour. Chacun aurait le compte à rendre à son Dieu. Chacun aura les comptes à rendre à son Dieu. Celle qui a changé son tengo, celle qui a fait les tatouages sur le corps. Vous aurez les comptes. Nous aurions les comptes à rendre devant notre Dieu qui nous a créés. Ou bien, est-ce que ce que j'ai dit est faux, mes chéris? Dieu veut que tu reviennes à lui comme il t'a créé. Dieu veut que ses enfants reviennent à lui comme il les a créés. Vous comprenez ce que j'ai encore dit, non? Donc, si Dieu t'a créé noir, il veut que tu reviennes noir. Si t'as créé homme, il veut que sa créature revienne étant homme. Si t'as créé femme, il veut que tu reviennes étant femme. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire, non? Donc, mon visage n'a rien, c'est l'application. C'est ma petite soeur qui a mis ça, qui a lancé mon direct. Mais il a lancé sans savoir. Donc, sachez que tout ce que vous faites là, vous aurez les comptes à rendre à Dieu. Oui. Il n'est pas tard. Hein. Ceux qui viennent d'entrer dedans là, vous pouvez vous repentir. Il dit, ceux qui sont entrés d'entrer dedans là, que vous partez comme ça, on vous dit que non, dès que tu as donné ton dernier comme ça là, après, je vais bloquer la fille là. Est-ce que vous savez, je bannis seulement, hein? Chez moi, je ne bloque pas, je te bannis seulement. Un genre de commentaire, je bannis. Voilà. Donc, il dit qu'il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Il y a des choses, quand je vois la longueur de genoux, je réfléchis, ça me traumatise toujours. Il ne se fait jamais tard. Pour ceux qui veulent entrer dedans là, n'entrez pas. Pour ceux qui sont déjà ancrés dedans là, vous pouvez vous repentir, vous sortez de là. Vous comprenez un peu, non? Donc, on m'a expliqué l'histoire là. Je ne peux même pas vraiment expliquer. Je ne peux pas vous expliquer comment on m'a expliqué. Ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment fait peur. Donc, j'ai paniqué. J'ai paniqué. C'est l'application. Maman, moi, je n'arrive même pas bien à expliquer. J'arrive même pas bien à expliquer parce que c'est tellement... Je ne veux pas que sa famille soit choquée.
Vous savez que les enfants disent que les enfants, les parents disent que les enfants sont en bain. Ils ne savent même pas ce que les enfants sont en train de faire là-bas. Donc, il ne faudrait pas que un de son entourage ou de ses parents tombe sur ça, sur la vidéo. Si c'est choquant, vous voyez un peu, non? Donc, je ne peux vraiment pas détailler. Mais sachez que ces enfants qui sont là-bas, ou c'est Tunisie, ou ce quoi là, les petits garçons qui font comme les femmes sur TikTok, ils portent les mini culottes avec les sacs Chanel là. Ils font une très mauvaise vie là-bas. Et s'ils continuent dans la même voie là, ils vont toujours finir comme l'autre qui est décédé ce matin là. Donc rangez-vous. Vos corps ne vous appartiennent pas. Les corps là que vous partez gaspiller là-bas partout, avec les blancs vous gaspillent le corps là, vos corps ne vous appartiennent pas. Ça ne vous appartient pas. C'est le corps de Dieu, c'est le temple sacré de Dieu. Arrêtez d'étouffer l'Esprit Saint qui est en vous. Arrêtez de salir le temple de Dieu. Vous exagérez. Vous exagérez. C'est votre corps. Vous ne savez pas que c'est le corps de Dieu. C'est votre corps. Tata Aristide, tu me cherches comment, grand-mère? Ta copine a payé l'argent de la petite qui a... Va payer à sa place, salade. Vos corps, ton corps, mon corps ne m'appartient pas. C'est le corps, le temple sacré de Dieu. Je parle comme la blague, mais je profite, je vous évangélise une fois. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nos corps ne nous appartiennent pas. Même nous qui mettons les produits éclaircissants, c'est demain on aura les comptes à rendre à Dieu. Les personnes qu'on fait en désordre, c'est demain on aura les comptes à rendre à Dieu. Vous savez ça, non? Les tatouages là qu'on a fait partout là, on aurait les comptes à rendre devant Dieu. Parce qu'il nous a créé, il n'y avait pas les piercings, il n'y avait pas les rasages de cils, il n'y avait pas les taches sur notre, qu'on dit que oh, les tatouages reviennent à lui comme il nous a créé. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Dieu veut qu'on revienne à nous, à lui comme il nous a créé. Donc, en tant que mettre un peu sur l'ongeant là, c'est même surtout un péché. Les piercings, là, c'est toujours le péché. Tout ça là, vous voyez un peu, non? Mais, il y a certaines socoyeuses là qui m'énervent ici jusqu'à. Dès que tu veux un peu faire le socono, elle rit seulement. Elle rit. Et je vous, mais vous m'avez dépassé sur la page. C'est même ce qui est. Musicalement, mais. Voilà, tout mon Facebook. C'est le film, c'est l'application, c'est la petite qui a mis. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, oui, les tatouages, oui, les tatouages de Nordoris. Vous savez pas, oh, je peux vous envoyer un verset. Hein? Le tatouage, Dieu ne veut pas ça sur ton corps. Les piercings en désordre, il ne veut pas ça. Le blanchissement de la peau là qu'on fait, c'est interdit. Dieu veut que tu reviennes à lui comme il t'a créé, tout simplement. Il te dit, Patricia, il me force à me débarrasser. Avant, j'avais les piercings. Hein. J'avais les piercings jusqu'à... Au fur et à mesure, je me débarrasse. Non, au fur et à mesure, je me débarrasse. C'est facile, maman. Il y a souvent en journée, tu fais des 50 choses. Tu fais des 50 choses, maman. Le soir maintenant, quand tu te couches, tout ça revient dans ta tête, non? Tu revois ce que tu as fait en journée, les gens que tu as insultés, tu as frappé peut-être quelqu'un, tu as menti, tu as fait pleurer des gens. Tu te couches, quoi, ta conscience, ton cœur fait tout dedans. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Ça, c'est tout. Ça, c'est surtout pour ceux qui ont étudié la Bible. Quand tu as étudié la Bible, quand tu as évangélisé, je vais dire ceci. Ça arrive généralement aux personnes qui ont étudié la Bible, qu'on les a enseigné la Bible. Ça arrive souvent aux personnes qui sont déjà repenties. Ça arrive aux personnes qui sont baptisées, qui servent à l'église. Vous voyez un peu, non? Qui ont déjà... Elles ont connu Dieu. Ça arrive aux personnes qui ont connu Dieu, qui ont déjà connu la parole de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Il y a certaines choses que quand tu veux faire, non, ton cœur balance tout dedans comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a des fois, je me couche moi-même comme ça, je vois ce que je fais en journée, je sursaute, je dis, mince, Seigneur, qu'est-ce que je fais, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis en train de dire? Donc, tous les jours, je suis en train de demander pardon à Dieu. Tous les jours, je demande toujours pardon à Dieu parce que nous sommes couverts d'imperfections. Donc, on est d'abord né avec le péché là.
Mais Dieu veut, il veut qu'on se débarrasse du péché. Des péchés-là. Donc, il y a des choses que quand je vois, je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Elle positionne la machin. Et là, c'est pas le même de quoi. Bon, Audrey, je te bloque. Je sais même pas de quoi tu parles, mais je te bannis, Audrey. Je vous ai dit qu'ici, on bannit seulement. On ne te bloque pas, on te bannit. Oui, pour celui qui a une connaissance. Ah bon, hein, André? Ah bon, hein? En tout cas, donc, je suis en train de dire que bah, les enfants, là, ils ne font que du sale là-bas dehors. Ils ne font que du sale. Et c'est nous, les mamans, qui souffrons, vu que c'est nous qui portons les 9 mois, là, dans le ventre. On souffre, on porte dans le ventre. On souffre, on allaite. On arrête, bébé marche, on nourrit, on fait tout ça. Après, ils grandissent, ils font ce qu'ils font, là, ça. C'est tellement horrible. Vous comprenez? Ça fait tellement mal, ça. C'est énervant, ça. Je sais pas, ça détruit. Vous comprenez un peu, non? Ça détruit vraiment. Et c'est quoi cette tenue? Et ainsi, parle même de quoi? J'ai mis le foulard, non? Attendez, alors, je vais cacher. Maman, j'étais en ville. Je suis rentrée, c'est moi qui fais mon direct, je dors. Excusez-moi, alors, je vais changer. Et c'est quoi cette tenue transparente? C'est une forme de vente des pépés. Oh, tu es comment comme ça? Juste le filtre, oui. Voilà, donc. Vous faites comme ça, je me paie, mon suivant. Hein. Il dit que mais vous ne connaissez pas passer le, vous ne connaissez pas parler à quelqu'un sans l'insulter. Vous ne connaissez pas véhiculer un message. Tu peux dire, ma chérie, voilà, ton habit est transparent. Pas que tu commences seulement à interpréter, dis que vendre le pépé. Il y a quelqu'un ici sur Facebook. Parce qu'on dit qu'on va vendre le pépé, maman. Hein? Il y a qui ici sur Facebook? Non, mais arrêtez, hein. Léa, tu as ressemblé à Flore Brésilien avec son foulard dans ses pleurs. Je vais te bloquer. Sandrine, je vais te bloquer. Sandrine, je ne vais pas te bloquer. Je vais te pardonner. Je vous ai dit que c'est le machin. Je vous ai dit que c'est une application. Regarde mes doigts. Tu vois le genre sang là-haut. Regarde mes doigts. Oh, arrêtez ça. C'est ma à lancer le direct, non. C'est ma soeur qui a lancé le direct. C'est venu avec ça, c'est ça. Je voulais vous faire rire un peu. Vous savez qu'il y a des gens qui passent souvent les journées. Les journées sont stressantes. Bah voilà, si, il y a des personnes qui ont rigolé. Il y en a qui ont mal pris. Bah, après, je m'en bats les ovaires, quoi. Pourri, piment, papa. Ça a consommé chez mes Sankota. J'aimerais savoir le verset qu'il a écrit. Qu'on ne fait pas le tatouage. Christiane, il y a mon numéro sur mes directs. Non, va sur un de mes directs. Attends, je vais te mettre mon numéro. Je t'envoie le verset avant de dormir, maman. La Bible condamne ça jusqu'à 676 28 27 93. Voilà le numéro. La Bible condamne les tatous, les piercings. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Appelle-moi et t'envoie le verset avant de dormir. Toi-même, tu vas confirmer. Il y a des gens qui font sans le connaître. Hein. Il y a des gens qui font sans le savoir, sans savoir que voilà, c'est un truc qui est condamné. C'est un truc que Dieu n'aime pas. Le tatouage, c'est un péché dans la Bible, strictement interdit. Vous voyez un peu, non? Il n'est pas noir, c'est l'application. On va monter, non? C'est l'application. Et j'ai aussi mis le gel douche, j'ai frotté avec le machin. Le savon noir, tout ça. Donc, je vais réinitialiser ça tout à l'heure. Tu as le don de l'évangélisation. Laisse Dieu t'utiliser à travers ces médias pour bénir la vie des gens. Maman Léa, tu as raison. Tous ne connaissent pas la Bible. Oui, c'est ça qu'il dit qu'il y a les péchés quand même que Dieu pardonne. Tu voyais un peu, non? Mais il dit que tu dois connaître sa parole. Il ne veut même pas savoir. La Bible est stricte, hein? Dieu ne veut même pas savoir si on t'a enseigné ou pas. Il dit que tu dois le chercher, tu dois chercher sa face. Vous comprenez un peu, non? Dieu dit que... Donc, il y a les péchés qui condamnent parce que quoi? Il s'en fout. Il te dit que toi, tu dois le chercher. Oui, tu dois le chercher. Mais il y a les péchés que tu fais sans connaître, non? Après, maintenant qu'on te dit déjà, tu as déjà compris. Maintenant, si tu ne changes pas, il va doublement te punir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc,
Moi, j'ai aimé, j'ai passé une journée. Tu m'as redonné le sourire avec ton filtre là. Merci. J'ai dit tout ça, non, Chining. J'ai dit que l'onjansan est interdit. Dieu veut que tu retournes à lui avec le teint qu'il t'a donné. J'ai dit que l'onjansan, les piercings, les tatous, c'est strictement interdit dans la Bible, je vous dis. Avant, j'avais la langue, non. J'avais la langue percée. J'avais le nez percé. Au fur et à mesure, je me débarrasse. Vous savez qu'il y a des choses que tu fais que ce n'est pas aussi facile de se débarrasser comme ça tout d'un coup. Vous voyez un peu, non. Mais je vous promets que j'ai tellement changé. J'avais les piercings jusqu'ici, là. J'avais les piercings au nez. J'avais le piercing ici, sur la langue, ici en bas. Hey, j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. Les piercings que j'avais sur mon visage. Donc, c'est un grand pas en avant. Le seul piercing que j'ai, c'est celui-ci, là. Le seul piercing que j'ai, c'est celui-ci. Et avec le temps, je vais toujours l'enlever. Vous voyez un peu, non? Vu qu'on dit, il y a des choses que je ne peux pas souvent parler sur Facebook parce qu'on dit que tu ne peux pas dire un truc à quelqu'un. Tu ne peux pas aller parler de quelque chose à quelqu'un. Pourtant, quand on te regarde, tu ne reflètes pas ce que tu dis. Où est-ce que je suis en train de dire, non? Donc, la plupart des temps, je n'ai pas envie de trop vous parler de la parole de Dieu parce que vous allez dire, ah, toi, tu es sur Facebook, tu insultes les gens, tu fais le socor. Ou oh, te voilà aussi qui a le piercing. Ou oh, te voilà aussi. Attendez. Qu'il va enlever le dernier piercing, si cela. Je vais vous évangéliser sur Facebook jusqu'à vous allez dire que, hé! Guylaine, c'est vrai que je mets les produits éclaircissants, mais je ne me décape pas. Regarde, je ne me décape pas. Je suis naturellement brune. Vous voyez un peu, non? Je suis naturellement brune. Bon, en fait, il y a les gens ici. Bon, Doris, voici par exemple Doris, là, qui est à mon WhatsApp. Doris, c'est mon WhatsApp, non? Elle voit, je poste souvent mes parents en statut, je poste mes frères, je poste mes soeurs. Mes parents, vous avez dit que mes parents sont mon père comme Cateron, ma mère aussi, elle est très, très brune. Mes frères sont bruns, mes soeurs sont brunes. Vous commencez à chanter des dits, non? Donc, je suis même pas brune comme mes frères et soeurs. Je suis d'abord naturellement très brune. Très, très brune de nature. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, j'entretiens ma peau. C'est vrai que des fois, je mets les savons éclaircissants. Je mets aussi souvent les trucs éclaircissants. Vous voyez un peu, non? Mais pas que je me décape. Non, je ne me décape pas. Augustine, c'est le filtre que ma soeur a mis. Je suis très brune de nature. Je vous dis la vérité. Mes amis d'enfance, s'ils sont dans le direct, ils vont vous dire. Je suis très claire. Voilà, même Karine, je connais ses parents. Mes parents sont tellement bruns. Mes frères sont bruns jusqu'ils ont les yeux du chat. Je vous disais ici tous les jours. C'est le truc, c'est le filtre. C'est l'application. Vous-même, ça me ressemble ici. Demain matin, je vais vous faire une directe surprise. J'ai fréquenté Atama Bafoussam avec Léa. Elle est naturellement brune. Ah, voici même Karel. Oui, j'ai fait le collège Tama. J'ai fait troisième, quatrième. J'ai fait quatrième, troisième, première. Atama, oui ma chérie, tu as raison. Voilà, donc je vous ai dit que on ne peut pas mentir sur Facebook. Il faut être bête pour mentir sur Facebook. Voilà une de mes camarades de classe. Elle a fréquenté avec moi Bafoussam. Vous voyez un peu. Je suis très brune de nature. Karel, et ma petite soeur qui faisait la première D, elle était comment? Brune, non. Mon petit frère qui faisait la C était comment? Brune, non. L'autre qui faisait la quoi là? Tout le monde chez nous est brune. Oh Nadine, merci mon cœur. On a grandi ensemble à Bafoussam derrière l'hôpital. Voilà mes voisines du quartier. Voilà Karine. Teta Léa, tu m'inspires trop en tant que personne. Je ne sais pas pourquoi. Tu es un bon cœur. Aïcha Kamoise et toi. Merci. Andé. Merci. Ça fait. C'est beau à Ali. Ta petite soeur aussi est très brune. Oui, est-ce que je suis moins brune comme mes soeurs, mes frères, mes soeurs? Elles sont très brunes. Vous comprenez un peu, non? Donc, je ne suis pas... Vous me dites tout qu'il fait l'ongeance. Moi, je n'aime pas souvent trop me justifier. Parce que, voilà. Donc, c'est un peu... Ouais, si ça vient me lancer par le direct. C'est ma soeur qui a mis le truc-ci. Elle me dit, maman Léa, il lui a dit qu'elle prend mon téléphone, elle branche et elle lance le direct. Elle me dit que le direct est prêt. Moi, voilà qui entre dans le direct, je vois ça, le truc-ci qu'elle a mis.
Elle voulait comme ça qu'on se moque de moi sur Facebook. Voilà ça. Ok, merci Cristal. Oui, oui, c'est vrai. Tu es vraiment brune. Et à l'époque, tu utilisais Nivea. Voilà. Voilà Karel. Voilà Karel qui parle. J'ai utilisé le Nivea. L'autre Nivea là. Oui, Nivea, oui, oui. Le Nivea, où c'était le blanc, où c'était encore le bleu là. Elle ne me connaît pas, mais je connais toute sa famille et son grand frère qui est comme un albinos. Merci Karine. Il faut les expliquer comme ça, un peu ils sortent derrière moi. Vous avez bien compris, non? Ce n'est pas les choses qu'on va dire qu'on est parti monter les messages. Voilà les gens qui témoignent là-bas en live. Vous dites tout ça chaque jour, vous êtes tout dans mes oreilles. Tu fais trop longtemps ça. Ne le fais pas. Regardez. Regardez mes doigts. Quand tu fais quand même longtemps ça, il y a quand même les quintos aussi, non? Je ne sais pas de quinto parce que je suis d'abord de nature claire. Ma soeur Léa, Dieu va t'utiliser grandement. Dans Léa, tu n'as pas besoin de te justifier. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Je t'aime. Oh, merci, grâce, ça me va droit au cœur. Merci. Tu fais l'ongeance sans pourquoi? Je ne fais pas l'ongeance sans Obama. Tata Léa, c'est que quoi? Et... voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mes amours. Il y a des jours. Ouais, comment il y a des jours où je lance le direct, je viens ici, je fais genre, ouais, telle personne, pardonne-moi. Ouais, telle personne, pardonne-moi. Parce que je suis comme ça. Je suis consciente que ce que je fais des fois n'est pas toujours bien. Mais Dieu sait au fond que ce que je dis, je ne le pense pas. Vous voyez un peu, non? Parce qu'on dit Dieu sonde les cœurs et les reins. Tu peux parler un truc à quelqu'un, tu peux dire mouf à quelqu'un, mais Dieu sait qu'au fond, c'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu as envie de dire. Vous voyez un peu, non? Maman Léa, tu as un bon cœur. Aïe, je te parle de toi. Merci dans ma puce. Pourquoi le foulard? Parce que je suis en natte et mes nattes sont à vieille. Vous voyez, non, j'ai les nattes. J'ai enlevé la perruque, j'ai mis les nattes. Voilà, donc mes socoyeuses, vous voyez qu'aujourd'hui je ne crie pas. Je ne suis pas fâchée, je suis toute heureuse parce que j'ai d'abord passé une merveilleuse journée. J'ai passé une merveilleuse journée et en fait ma journée était bénie. Ma journée d'aujourd'hui était une journée bénie. Vous comprenez un peu, non? Ma journée d'aujourd'hui était une journée bénie. Donc je suis d'abord très contente ce soir parce que il y a une prière que j'ai fait il y a pratiquement une semaine. J'avais besoin de quelque chose. J'ai tellement demandé cette chose à Dieu. Et il a utilisé une personne pour répondre à ma prière. Vous voyez un peu. Donc, j'ai prié beaucoup. C'est juste parce que j'avais besoin de quelque chose. Dieu a donc utilisé quelqu'un pour répondre à ma prière. Vous comprenez un peu là, non? Donc, je suis tellement, 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 tellement contente. Je suis heureuse. Donc, je rends encore grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie aujourd'hui. Je le rends grâce. Je le bénis. Voilà. C'est quoi ce rouge? C'est l'application, c'est pas mon visage ici. Vous comprenez, non, mes chéris? Donc, tous les jours, s'il te plaît, la mère. Ah, s'il vous plaît, la mère là, a fait les très beaux enfants. Non! Merci, ma copine. Donc, mes chéris, quand vous êtes en manque, ne volez pas. Quand vous êtes en manque, ne quémandez pas. Quand vous êtes en manque, n'enviez pas les gens. Vous comprenez? Quand tu es en manque, ne quémande pas, ne vole pas et ne convoite pas. Vous comprenez ce que j'entends dire, non? Quand tu es en manque, quand tu traverses une période, il y a une période là qu'on dit que la période de désert. La période de vache maigre, c'est une période où tu es face à un problème, mais tu te sens impuissante face à ce problème parce que tu n'as peut-être pas les moyens de résoudre ce problème-là. En ce moment-là, prie, demande à Dieu. En ce moment, prie et demande à Dieu. Je vous m'en passais cette semaine, j'avais trop les problèmes. Trop, 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 trop. J'étais hyper stressée.
Même comme je faisais des directs partout sur Facebook, j'étais stressée, j'étais hyper, hyper stressée. Donc, dans les jours à venir, je vous dirai de quoi est-ce qu'il s'agissait. Je vous dirai pourquoi je suis en train de bénir Dieu aujourd'hui. Je vous le dirai dans un avenir proche. Dans un futur proche. Maman Léa, nous, on n'a jamais vu ta famille. Pourquoi je suis vexée? Mais je suis la seule chez nous qui est sur les réseaux sociaux. Les autres ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mes frères et mes soeurs ne sont pas sur les réseaux. Vous voyez un peu, non? Donc, je suis la seule têtue à la maison. Je suis la maman quand même, non? Donc, je peux décider quoi faire. Eux encore, ils ne sont pas encore trop, trop matures comme moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. C'est un peu ça. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller me doucher. Je vais aller me doucher. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Faites du bien autour de vous. Priez en tout lieu et en toutes circonstances. Ne priez pas seulement pour vous. Il ne faut pas être... Il ne faut pas être égoïste avec la prière. Si je te raconte un truc, tu vas mourir de rire. Un jour, nous sommes sortis avec ton grand frère. En rentrant, les bandits nous ont poursuivis. Ouais, ma chérie, parlez-vous pas à rire. Attends, attendez. La fille, sinon, elle n'est pas sérieuse. Attends, car après, je vais zoomer sur ton profil. Qu'est-ce que si je te raconte, tu vas rire. Un jour, nous sommes sortis avec ton grand frère. Les bandits nous ont poursuivis. Maman, derrière l'hôpital, là, non, c'est trop dangereux. Le Yabaki déjà, non. Depuis, je suis pas le Yabaki. C'est le bébé qui est en route. Non, Rose. Ce n'est pas ça. Pourquoi la force est où? C'est l'application. On n'a pas les soucis. C'est une application là. C'était pour rigoler. Non, ce n'est pas le bébé qui est en route. Il dit que je traversais un. Je ne sais pas, je vais vous expliquer ça. Dans un futur proche. Ne go pas encore. Nous, on aime te voir. Il y a, avec les, je suis fatiguée jusqu'à... Eh, mes bébés, vous voulez que je vous raconte aussi une petite histoire? La fille a dit qu'elle était sortie avec mon grand frère un jour. Ils sont allés faire la fête. À rentrer, les bandits les ont poursuivis. Non. Attendez, je vous raconte une petite histoire comme ça, là. Vous voyez un peu, vous raconter une petite histoire sur un ex là. Pardon, attendez, verser les queues d'abord, vous racontez une histoire là sur un ex. Vous allez rire chez vous jusqu'à envoyer les queues, vous racontez l'histoire là avec un ex là. Et après, je vais aller me doucher. Vous voulez écouter mon histoire, vous n'envoyez pas les queues. Oh, wow, mon Dieu, les choses de l'adolescence, c'est tout un genre. Les enfants étaient petites, non? J'avais peut-être... J'étais même pas petite. J'avais même 24 ans comme ça. J'étais ici à Douala. Le gars nous a abandonnés comme il est grand. Il a sauté votre portail. Il m'a dit, nous sommes entrés dans le chat. La fille n'est pas si attendue d'abord. Rachel était quitte. Non, c'est pas les règles douloureuses. Mais bon, avant les cœurs, non, je vous raconte une petite histoire là que j'avais vécue, non. Quand j'avais mes 24 ans. Une petite histoire là comme ça que j'avais vécu avec un ex, non, mes amours. Nous étions aussi venus ici à Douala, non. Et je sortais avec un gars là. Je sortais avec un petit gars là. Vous voyez le genre de garçon là qu'on dit que oh, c'est l'enfant de tel. C'est l'enfant de tel. Comme ils viennent des grandes familles, ils sont aisés là. Aïe. Le jour là, moi aussi dragué, non. Mais je suis tombée amoureuse comme une aliénée. Je suis tombée amoureuse. Mais sa mère et ses parents étaient très tribalistes. Je ne veux pas donner le nom de leur village pour éviter qu'on dise que oh, les tribales, machin, truc. Donc, je sais seulement que ses parents n'aimaient pas les gens de l'Ouest, les enfants de l'Ouest, non. On a donc menti à ses parents que je suis de leur village. On a menti à ses parents que je suis de leur village. Maman, un jour comme ça, il pleuvait, maman. Il pleuvait. Le gars m'appelle que je viens, on passe un peu le temps, on visionne. Je m'en vais chez lui maintenant, on est couché dans la chambre. Et vous voyez, les pauvres, il y a les petites télés là dans la chambre comme ça. Jusqu'on est couché comme ça. Ouais, on regardait même quel film là-haut. On est aussi couché parce qu'on regardait un film là. Maman, il reste d'abord comme ça là. Parce que j'avais accouché à 19 ans. Et vous êtes tous que j'ai accouché à 19 ans, non? Mais c'est le genre que la première fois que tu n'as pas fait l'amour comme ça, après,
L'enfant entre là, vous voyez un peu dans le don. Du coup, après ça, maintenant, tu continues avec l'école. Après, tu pars dans une autre ville. Tu sais même pas encore faire la vie. Tu ne comprends pas comment on fait la vie. Maman, j'étais toujours naïve quand j'avais 24 ans. Hein. Et pas aussi comme ça, parce que je suis couchée chez le gars dans sa chambre. Je suis couchée, ce qu'il faut, c'est les bisous sur mon cou. Les trucs qui disent, oh, fais-moi bisous, tu me regardes. Maman, j'avais honte à l'époque. Hé! Hey! Wow! Ne faisons pas bisous comme ça. Donc, je regarde que ses oreilles là-bas. Dès qu'elle fait bisous, donc je regarde que ça bouge, ça s'assoit de l'autre côté là-bas. Il dit, mais regarde-moi quand tu m'embrasses. Et tout là qu'elle ferme. Et tu qu'on embrasse quelqu'un là comme ça, on ouvre les yeux, je ferme que les yeux, non. Ou je guette toujours quelqu'un de faisait un peu, je sais pas. Jusqu'à un jour, le jour là qu'il pleuvait comme ça, on a commencé à mop dans la chambre, on a commencé à mop, on mop, non. Hé! J'entends seulement sur la porte. Parce que le genre de gars aussi qui t'embrasse, il fait le Vous voyez un peu, non. Apparemment, maintenant, sa mère a compris qu'il y avait une fille dans la chambre, maman. La maman, elle est venue comme ça, elle n'a même pas toqué. Et le gars avait baissé un côté de mon soutien comme ça, jusqu'à ce qu'il était tombé comme ça, là. Vous savez qu'à l'époque, il y avait le respect même pour faire l'amour. C'est même pas les choses qu'aujourd'hui, tu viens, on te prendra le portail. Voilà. À l'époque, même pour faire l'amour, aussi, il y avait le charisme sur ça. Donc, on s'embrasse. Après, on enlève ton soutien doucement. Vous faites des commentaires. Maman. Le gars avait baissé un côté du soutien qu'on a, ce qu'il s'apprêtait. Comment il va lécher les bouts de mes seins. Hey! Wow! Seigneur! Oui! Maman, pardon, attendez. Il baisse jusqu'à il était coubo au lit. Le gars comme ça qui s'est à genoux au lit, non? Il a encore été au mop comme ça jusqu'à il lâche ton cou. Oh, bébé, tu me sens? Ah! Maman, on sent quoi quand on n'est pas encore dans quelqu'un. Et tout cela, oui, comme une tue. Merde. Après, je pense qu'il baisse la corde ici, là, comme ça, là. Il baisse la corde ici, là. Jusqu'à, il veut un peu envoyer sa tête par ici. Hé! Dans la main du gars, t'es méchant. Nous, on entend tout sur la porte. Maman, hé. On entend tout sur la porte. Voilà le gars, là, comme ça, qui saute. Il saute comme ça, là, non. Il tombe au chevet du lit. Maman, là aussi, qui fait un poum. Je saute aussi et tombe comme ça, tire les rideaux, non, les rideaux de la fenêtre, les mets sur moi comme ça. Dans... La mère a parlé qu'un bateau, elle dit que ça c'est quoi ça chez moi? Hein, abomination, ça c'est quoi sur moi? Maman, le ouais du gars, elle était debout, hein, comme ça, là, jusqu'à la sortie, elle était debout comme ça. Là. Après, maintenant, sa mère vient, sa mère le tire là-bas derrière, sa mère dit que passe comme ça. Passe comme ça, là. Vous voyez un peu. Le gars passe comme ça, on nous tire, nous deux, nous, on part au salon. Maman, imaginez, il y a toute la famille du gars là au salon, hein, maman. Donc, il a attiré un côté de mon soutien comme ça, là, parce que c'était ici, là. Il n'y a pas moyen de vite monter. Parce que comme, maman, parce que quand il tirait, non, il y a une corde là, souvent, qu'on agrafe. On agrafe souvent ici, derrière. Là-bas, où on agrafe, là, même, le fer était quitté. Donc, maintenant, la corde est restée pendue comme ça. La mère aussi nous charme, mon frère. Aide-nous, laisse même pas le temps que tu portes même bien ton au sort. Aide. Mais voilà aussi qui tremble avec un côté du soutien qui est coupé, ça tombe comme ça, ça tombe pas derrière. Je cours aussi, Kounia, maman, pardon. Passe comme ça. Elle avait d'abord une ceinture là à manquer. Je tremblais, maman. Jusqu'à j'avais aussi fait quoi, parce que j'ai porté un saut le matelot. Mais voilà aussi avec mon ventre, ce que j'ai accouché l'enfant, c'était même pas encore bien plat. Devant ses frères et ses soeurs. Le ventre n'est même pas encore bien ancré dedans. Le nombril n'est même pas encore bien ancré dedans. Je reste aussi au salon debout. Le gars l'a vu au salon, non. Son roux était encore debout comme ça. Maman, si sa mère n'a pas cassé ça au bout de la ceinture le jour là. Sa mère dit que même devant tes parents, ton truc est debout. Ça, c'est pas un sorcier, ça que c'est quoi? Hein? Allez dehors avec ça. Mais il y a les mamans méchantes ici dehors, hein, mais sont curieuses. Maman, elle nous pousse comme ça, elle nous envoie sous la pluie dehors. Eh, mais c'est que maman, yeah. Elle nous pousse, elle envoie encore sous la pluie. Oh, du portail, avec une corde de soutien. Non, les mamans d'avant étaient méchantes, Thomas. Ça. Le gars aussi, il avait porté son short avec le Bermuda. J'avais honte dehors, maman. Il tient encore aussi son gros short là, comme pour Koundé Emmanuel. Il restait son gros Bermuda. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas les Bermuda Hugo Boss là, non. C'était les shorts, les caleçons des gars, c'était gros comme ça, toujours comme les shorts. Donc le gars avait d'abord doublé. Il sort dehors comme ça, il retire notre short là qui est comme beaucoup d'Emmanuel, l'ancien footballeur du temps d'Aïdjo là. Il me donne qu'il lance ici à moi, je me couvre avec. Donc je lance comme ça sur moi, maman. Nous sommes dehors comme ça là, on me regarde. On lui regarde, on avait honte. Merde,
Même pour aller stopper au taxi, maman, on a marché que derrière les maisons, derrière les maisons, derrière les maisons. Jusqu'à tomber chez un de ses amis là pour demander le t-shirt pour que je porte pour rentrer chez moi, maman. Le gars l'a fait jusqu'il allait m'accompagner. Et il vivait à Bonamoussa. Non, il vivait où à l'époque là? Lui vivait toujours ici à Bonamoussa. Dit non, entre toi à Bonamoussa, dit nous deux. Mais les raccourcis pour arriver chez moi, non, maman. Eh hey, ben, il fallait conduire derrière la maison. Et vous savez qu'à Bonamoussa, c'est pas comme à Bepanda où on va dire que tu vas sauter derrière la maison. Il y a ce que goudronné partout, maman. Arraché, il devait fuir pour aller où, ma mère? On te dit quand vous coincez la chambre que ton gars est en train de tomber, tu vas fuir pour aller où dans la chambre? Elle me dit passez au salon. Elle nous pousse encore au salon. Je vais fuir pour aller où? Hein? Mais deux, il y a la honte de ma vie, maman. La partie qui m'a encore énervée, c'est que donc, elle m'a d'abord traumatisée, mais socoyeuse. Maintenant, le gars l'a posé, ce qu'il arrivait devant mon portail aussi là-bas. Il tend encore sa bouche pour dire oh bébé, bisous. Maman, il me dit, vous voulez gifler moi sa bouche là aussi. Parce que donc, du coup, sa mère, lui et eux tous, ils m'énervent là-bas chez eux. Il dit que pardon, laisse-moi avec tes choses là. Tu vois ça que tu as coupé un côté de mon soutien de la chambre. Voilà ça maintenant qu'on me pousse, on me met dehors comme une vulgaire folle. Merde. Je suis rentré chez moi comme ça là. Non, il dit au gars là que pardon, ne m'appelle plus, ne m'écrit plus. Je ne veux même plus que tu m'appelles un jour. C'est même quoi? Est-ce qu'on peut éteindre l'œil de quelqu'un dehors? Il meurt quoi? Je suis rentré chez moi. Non, l'histoire là m'a fait mal. Ma côte, ta face est seulement rose. Wow, les gens sont. C'est pas, c'est l'application. Les tes ex ont eu quoi? Il dit que non, non, il y a les traumatismes ici dehors. Merde! Maman, j'ai ri. Après, je suis chez moi, non, j'ai pensé le gars. Donc, tantôt, je veux barrer le gars là. Tantôt encore, je ne veux pas le barrer. Tantôt, je veux le barrer. Je mets l'amour de la jeunesse, c'est bien, hein. Tu as revu le gars là depuis, tu es grande. C'est une belle histoire. Tu dis quoi pour ça, Rachel? Je l'ai bien revu, non? Il m'avait retrouvé sur Facebook il y a 3 ans. On s'était revu sur Facebook il y a 3 ans, maman. On s'est encore vu, non? On est parti à Kribi. On a dit à sa mère que viens encore nous gronder, tu nous chasses. Non, on était parti à Kribi au Lagon Hotel. On a fait 3 jours là-bas. Vous comprenez un peu? Je suis au Cameroun, Karel, je suis à Douala. Donc, après, il était venu au Cameroun. Parce qu'après, il était très brave à l'école. Il avait eu sa bourse de quoi, gnor, là. Il est parti aussi aux États-Unis. Est-ce qu'il revient? Il est devenu aussi qu'un grand. Et juste qu'il est que bobo. Il s'est rendu là-bas. Vous voyez un peu, non? Il est aussi revenu. Il y avait aussi un aliéné ex là dans ma vie, le temps là. Je regarde pourquoi il n'est pas barré l'ex là pour me mettre avec mon ex là. Hush! Le gars est revenu, il était devenu chaud. Maman, l'agent pouvait le tuer. Il est aux États-Unis, Karel. Il est aux États-Unis. Il est hush. Ouais. Jason. Je te reconnais pas. Il est dans Karine. Et ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que quand sa mère nous chasse comme ça, on n'est jamais ignoré. On n'est jamais ignoré. On n'avait jamais ignoré. Jusqu'à le gars a eu son bar, après il a voyagé, il a fait tellement d'années dehors. Il dit qu'il est revenu. Il est revenu, non, mais son coyote, il était devenu mignon. Beau! Hé! Wow! Quand le gars est revenu comme ça, là, non, il y avait une aliénée ex là derrière moi qui m'énervait jusqu'à. Ish! Il y a des gens qui collent aussi, je dis collent, c'est comme un tchèsement. Bon, pour voyager à Kribi avec mon ex, ce n'était pas facile. Hein. Maman, on a organisé un Kribi, on est passé là-bas, on écrit à sa mère, viens en Corse, il écrit à sa mère, que chez Léa. On est parti à Kribi, on a mop jusqu'à. Voilà, c'est l'application. Merci Geneviève. Je t'ai dit que Rachel, maman. Non, on est parti à Kribi, on a fait 3 jours. Mais ce qui m'a énervé, c'est qu'il est revenu, non. Il est aussi parti enceinte, une blanche là-bas. Ish. Il m'a énervé, mon quand t'es à Kribi, il le guettait qu'avec un œil comme ça. Il le guettait qu'avec un œil. Tu pars, un petit bain, tu pars, du coup, tu es enceinte, les blanches. Donc ça m'a énervé. Après, ça m'a déstabilisé, non. Ce qu'ils avaient que fait les jumeaux. Il dit que donc tu es parti aux États-Unis, que jusqu'à ce que tu es devenu Tani là-bas. Eh, pardon. Ça m'a énervé, hein. Et on reste un peu, elle appelle. Elle parle, oh, gnoro, téléphone, elle parle que l'anglais, elle ne comprend même pas. Elle peut parler que l'anglais américain, elle ne comprend pas moi ce qu'il dit. Donc, après, j'ai seulement compris que, moi, si je mets encore les organes comme ça,
J'ai compris que si je mets encore les organes sous le gars là, non, mes chéris, je vais seulement retrouver à Ali Tchem de sable. Et seulement, donc déjà que tu mobes aussi, non, tu dis que Seigneur, pardon, fais seulement qu'il ne tombe plus amoureuse. Parce que le gars avait d'abord débloqué un autre niveau de beauté et de charisme. Déjà que toi-même, tu look d'abord un gars comme ça, tu dis que, hé, Eh, Seigneur. Mais il y a certains ex comme ça aussi que souvent je pleure, mais. Wallahi, c'est pas toujours tous mes ex qui pleurent. Il y a certains ex que moi-même, je suis resté comme. C'est l'application. Il y a qui es-tu, il y a d'autres. Maman, il n'attendait pas que quoi, ma chérie. Je trouve déjà que ton gars part comme ça aussi. Maintenant, aussi, il part. Après, tu n'aimes pas son numéro des États-Unis. Tu restes encore, tu l'aimes. Il y avait aussi un bête truc à l'époque, hein. Que dès qu'un gars voyage, quoi, c'est où tu commences à l'aimer. C'était que quoi, hein? Eh, mais c'était que quoi comme ça? Quelqu'un a un voyage avant que tu commences à l'aimer comme une aliénée. Les gars aussi, dès qu'une fille voyage, c'est où ils deviennent amoureux. Comme un peu mon gars aux États-Unis. Comme une tueuse. Un peu mon gars aux États-Unis d'Amérique. Wouah! J'aurais tout vu. Dès que tu as parlé, non, on te drague un peu. Non, mon gars aux États-Unis d'Amérique. Mon gars à New York. Il est à New York. C'était que quoi, hein? Yo, pardon. On appelle ça l'aliénation, ma ça. Maman, le gars est rentré des États-Unis, le trophée. Il allait faire les jumeaux. Deux gros garçons comme ça, là. Quand une femme fait les jumeaux à un homme, il ne va même pas laisser la femme, là. J'ai jamais commenté ici, mais aujourd'hui, j'ai fini. Ouais, où dis-moi la vérité, non? Oh, merde. Non, avant, on était quand même villageoise, hein. Avant, on était villageoise. Dès que tu veux un peu aller quelque part, même si c'est qu'ici à Dubaï, toute la famille sort, même les grands-pères, les grands-mères, tes tantes maternelles, tes oncles maternels, on dit qu'on peut accompagner l'enfant à l'aéroport. On dit à l'aéroport, aussi, il y a même 50 personnes derrière toi. C'était que quoi le temps là, hein? Le jour que tu viens, on dit qu'on peut attendre tonton à l'aéroport. On peut attendre Nyonyora à l'aéroport. Le gars sort de l'avion comme ça, l'aéroport est noir. Yeah, mégé. Que tout le quartier et tout le village est sorti. Yo, pardon. Donne-toi à toi exagérer à l'époque, t'es trop bête à l'époque. Merde. Oh, yo. Merde. Attendez, vous, est-ce que je manque? À l'époque, quand tonton disait qu'il voyage, maman. Moi, j'ai fait les jumelles, ça fait 2 mois. Je suis content. Oh là là, ma chérie, bravo. Bravo, mon cœur, maman. Contamine-moi. Il dit que... Non, avant, là, non, mais ça, on était trop villageoise et villageois. Vous comprenez un peu, non? Glaris dit que même jusqu'au jour, c'est des familles qui font ça. Ishma, c'est villageois jusqu'à... Yeah, mégé, maman, quand ton gars vient, ton gars t'appelle aussi pour dire qu'il dit que ma famille serait là, mais il dit que ma famille serait là. Il dit qu'il faut que tu pars. Il dit qu'il faut que tu viennes à l'aéroport, mais tu te places quand t'as pas l'angle. Maman, tu vois le sol à l'aéroport, kounya kounya sous le soleil. Tu es aussi là où tu attends quelqu'un. Vois sa famille là-bas, te voilà de l'autre côté. Il vient, mais il passe sa main là dans la voiture. Il t'écrit encore que bébé, suis-nous. Oh, gnor, suis-nous. Eh? Non, t'es trop naïve avant. Non, c'était la dimension de la naïveté, ma sœur. Hey! Maman! Donc, elle va accoucher mes filles. Non, je veux les wise. Parce que la façon dont... Merde. On a trop souffrance. Maman, quelqu'un va encore dire aujourd'hui qu'il vient, qu'il n'est pas l'attendre à la réponse. Ma sœur, la secte. Hey, pardon. Descends à l'avion, tu prends ton dépôt. Il y a même les Nyango, non? Où c'est Nyango? Il y a les Nyango aujourd'hui, il y a les taxis à l'aéroport. Si tu veux venir, viens, tu prends ton taxi, tu viens, après on fixe le rendez-vous. C'est quoi, quoi que tu prends les risques, oh, Nyonyon village? Tu cours, kounia. Et ben, vois mon gars à l'aéroport. Tu pars dès que tu fais 2 jours avec lui jusqu'à tu rentres. Il te trompe jusqu'à pour toi, viens. Non, pardon. Ouais! Ma chérie, je suis passée par là. Et aujourd'hui, je suis au Canada avec lui. La vie, c'est la patience. Karine, ah non, c'est bien mon cœur. C'est très, très bien.
C'est bien. Oh là là, j'ai béni Dieu pour ta vie. Hein. Il y a aussi un ex dernièrement aussi qui est venu me draguer. Il m'a aussi menti qu'il est au Canada. Pourtant, il vient en Belgique. Eh, depuis le pleurs, ça ne finit pas. Depuis le pleurs, ça ne finit pas. On peut mentir à quelqu'un comme ça. Oh. Non. En tout cas, c'est le suinou là qui m'a fatigué. J'ai détesté ça jusqu'à. Il a dit qu'il est 11. Je ne sais pas si tu as aussi vécu ça. Il a quand même avec sa famille. Il écrit un message qu'on suit nous. Merde. Et qui est. Je suis marié à ton frère. Mon mari dit que vous êtes familier. Et attends, voir. Valessa Abor. Tu es ma BS. Ton mari s'appelle comment? Tout le village l'accompagne. La vie va nous enseigner dedans, les gars. On dirait que tu suppliais ma soeur. J'ai dit qu'elle est rose, maman. Non, non, je ne peux plus, moi, jamais me ridiculiser comme ça. Je ne peux plus. Yé, awo, ton. Awo, mon, jamais de la vie. Moi, je dis, naïf, c'était bon. Yé, les gars, la porte en train de la voiture climatisée, avec leur père, mais les oncles. Bébé, suis-nous. Tu vois, sur le taxi jaune. La chaleur, boum, 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 boum. La chaleur derrière toi. Que suis-nous. Non. Yish, vous les ex, les. Je ne peux pas vous pardonner. Et après qu'on dit suis-nous comme ça, il arrive, on n'est pas chez eux. Hein. Dès qu'on arrive vers le quartier, il dit que bien, prends l'autre virage là. Tu m'attends là-bas, sous l'avocatier ou sous le manguier. Tu vas encore aller aussi rester au fond du manguier jusqu'à Bouta va venir. Il y a les pros ne partent même pas au bar comme aujourd'hui, les petits, à 18 ans ou à 20 ans, les enfants là partent au snack. On se prenait les rendez-vous comme ça qu'au fond des arbres. Léa, tu étais toi villageoise, c'est là, vrai bout d'amour, fiche au cas. Mao, comme il faut vous disiez, non. Après, ce n'est même pas le genre que tu vas même passer dans un snack d'assaut pour attendre le bon monsieur. Hein. À l'époque, comme ça, il y avait. Ah, bon d'amour, ça dit, il y a souvent les fonds de mangue, là, avec les fonds de goyavi, là, quand on a mis les banques publiques en bas. Bébé, bébé, tu m'attends au fond du mangue, non. Waouh! Yoï! C'est moi qui allais chercher. Il est comme ça, sa famille n'est pas au courant. Ah bon, Karine, t'as pas été bien élevée. Ou ça, en tout cas, c'est même pas ma chérie. Parce que pour nous, là, on les a suivis dans leur voiture. On était dans les taxis devant nous. Il dit après, maman, il dit, tu n'es pas même aussi chez eux pour l'accueillir. Hein? Il dit, bébé, attends-moi au fond du mangué, là. Tu peux t'asseoir au fond du mangué avec le banc. Tu t'assois au fond du mangué jusqu'à pour toi. Les feuilles aussi de mangué qui tombent sur. Les feuilles de la mangue aussi qui tombent sur toi. Les motos qui passent, vroub. Les taxis qui passent, la poussière. Tu es aussi assis là-bas sur le mangué. Mon gars est venu. Mon gars est venu, gnor gnor. Non, non, vous les gars, là, c'est méchant. Dieu va vous rendre ça un jour. Et quand tu arrives dans la famille, on va te poser les questions. Tu dis que tu es la copine de sa soeur. Je t'ai dit, Rose, est-ce qu'à l'époque, l'on trahissait même que tu viens voir le gars? Tu faisais les amitiés, tu fais l'amitié avec tous ces soeurs, ce qu'Apoto va venir. C'est pour ça que tu vas laver les habits un peu. Mais tu es où? Hein, tu es où? Tu vas cogner les habits, ce qu'Apoto va venir. Hé, pardon. Moi, je lave vraiment les habits, hein. Moi, je viens voir mes doigts, après mon gars, que sort. Et là, mon tronc, moi, je dis que va arranger le lit à la chambre, va arranger les assiettes, là, va arranger. Non, pardon. Attendez le géant à la queue dehors. Donc, quand on a vu ça, pas, maman. Hé, après il vient comme ça, mais on a trop souffert, on a souffrance à l'époque. Hein. Après il vient aussi comme ça, vous allez parler des choses, de tout et de rien. En partant aussi comme s'il fait bisous sur ton front. Donc tout le temps, on peut dire que tu parles à l'aéroport là, tu attends sous les avocatiers, tu attends, tout ça comme ça, après il vient faire le bisous sur ton front, maman. Tout ça, il vient faire le bisou sur ton front. Tout mon temps perdu, le bisou sur le front. Yeah. Oui, Rose. Yeah. Yo. Non, les gars là nous ont trop traités. Yeah. Tu attends un gars de 12 heures. Et quand ton gars te disait à l'époque qu'il vient, il dit qu'il serait au Cameroun. Il serait à l'aéroport à 18 heures. Ma chérie, à 11 heures, à 10h45, tu es à l'aéroport pour l'attendre. Tu restes. Tu attends. Tu as soif. Le soleil te brûle.
Tu pars attendre au fond du mangué. Il dit, vous voyez au fond du mangué. Parce qu'il y a encore la famille qui est à la maison qui est venue le chercher. L'autre, les oncles vont dormir chez eux. Donc vous causez que sur le banc en haut. Ou si là, tu peux acheter un jus. Il peut acheter le jus comme ça là aussi. À l'époque, même tu mangeais un œuf, on dit que tu es une bordelle. Tu manges un poisson brisé, on dit que tu es une bordelle. Donc à l'époque aussi, c'était tellement sérieux que je ne comprends même pas. Il dit qu'il fait bisous sur ton front, à la fin. Il te fait bisous sur le front. Et il part, il dit, on s'écrit, non. Même 100 francs. Non, l'amour d'avant, là, non. C'était que l'amour des aliénés. Même 100 francs. Il dit au Cameroun, à partir de 2500, maman. Hey! Il y a un autre pion. Quelqu'un dit, il part d'abord, il a tapé même 4 ans ou 5 ans dehors. Il revient, il fait même un mois au pays, man. En partie, il donne 2500. Le commerce donnait 5 euros. Il dit que ce sont les euros. 5 euros, 3 fois, ça fait combien? Le commerce donnait 15 euros. 15 euros, c'est combien? Quand la famille a fini l'argent, ouais, les bégis, dedans, ils ont fini avec. Ce sont la dernière coiffure. Et le dernier vêtement, maman Karine, tu m'as. Merci, Edouard. Il dit que donc, à l'époque, comme ça, et on s'habillait en friperie et en boutique, maman. Pour moi, à l'époque, là, il y avait un habit là qu'on appelait que le haut Marima. Le haut Marima était sorti avec la chaîne Marima. Et tout ça, je te m'appelle le haut Marima jusqu'à porter qu'avec le pantalon bleu qu'on appelait que le pantalon Lewis là. Maman, il tape mon pantalon Marima, mon pantalon Lewis, avec le pantalon Lewis, oui, avec le haut Marima. Jusqu'à porter, je suis Cisco. Ah bah! Il dit, comme il était à l'aéroport, il me sentait d'abord. Il était que sûr que non. Ah, donc, à part moi, il n'y a plus une femme sur la terre. Un mouf. Si tu passes, tu t'assois encore, ce qu'elle est, je suis Cisco, serre tous tes pieds. Mais là, ça se moque. Le gars vient comme ça, il dure. Il y a aussi les jours où il te donne rendez-vous vers 20h comme ça, sous le manguier. Ah, puis, aussi, il est venu comme ça, il n'a plus les bouts de tes seins. Maman. On connaissait même embrasser à l'époque là. Il dit aussi la route des lèvres. C'était que quoi, eh? On embrasse quelqu'un. On suce qui ici là. On suce qui ici. Quelqu'un veut t'embrasser. Il vient, il attrape l'angle de ta bouche là. Mort. Il suce que la partie ici. Il suce que la partie ici là sur ta bouche. C'était que quoi, eh? L'autre vient. Il laisse ici en bas, eh? Il attrape que ta lèvre aussi. Il suce que ici. Il suce que ici là. Non, vraiment, Ish! Ko! Attendez, vous dites quelque chose! Attends! Voyons, oh, attendez, madame! Regarde! Regardez, non! Après, il fait bisous sur ton fou, la pute est sexe, qu'après, il dit que bébé, marie-moi! Pardon, il dit que, qui a eu ça? Qui a eu ça, madame? Dites-moi. Il t'embrasse, il a fini de sucer le bout de ta bouche, c'est là. Après, il arrête tes mains. Bébé, marie-moi, gnor. Yo, les gars, non, regarde, t'es trop villageois, les bons. Mais deux.